Salam alaykoum wa rahmatoullahi ta'ala wa barakatuh. Pour communiquer de français de la quatrième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 1. Aujourd'hui, nous avons la grammaire, le groupe nominal sujet et le groupe verbal dans la page 28 et la page 29. Donc, on passe à la page 28. Donc, on va commencer par le titre. Donc, il y a un groupe nominal sujet. Donc, j'ai mené ou n ou s mené. Le groupe verbal, il j'ai ou v. Donc, c'est l'origine. Donc, au lieu de dire le groupe verbal, on écrit GV. Au lieu de dire ou d'écrire le groupe nominal sujet, on écrit GNS. Donc, d'abord, on a GNS, c'est-à-dire le groupe nominal sujet ou GV, c'est-à-dire le groupe verbal. Donc, maintenant, on va commencer par j'observe et je découvre. Le futur, donc, nous avons deux phrases. Le futur mari porte une djellaba blanche. La jeune mariée est habillée d'un caftan blanc. Donc, la première question, qu'est-ce qui porte une djellaba? Ou la qui est-ce? Pardon, qui est-ce qui porte une djellaba blanche? Qui est-ce? Donc, je vais vous dire qui est-ce. Il y a un men. Men, yertedi, djellaba bayda, djellaba abyad. Donc, c'est le mari, le futur mari. Donc, c'est le futur mari. Le futur mari. Yani, zewj le mustaqbali. Qui est habillé d'un caftan blanc? Chkoun li yertsadi kaftan abyad. C'est la jeune mariée qui est habillée d'un caftan blanc. Donc, la jeune mariée. Yani, le Shabba. Zouja. Shabba. Donc, je manipule et je réfléchis. Je souligne les noms dans les deux phrases où je recopie le groupe du nom. Donc, nous avons déjà souligné. Donc, maintenant, on va l'écrire. Donc, on a le futur. Le futur mari. Wenaya, la jeune mariée. Donc, la deuxième question, je souligne le verbe et je précise son groupe. Donc, on va souligner le verbe tout d'abord. Donc, on a le verbe wa'e, on a le verbe c'est porte. Donc, je souligne le verbe, je précise son groupe, donc le groupe. Et je le recopie. Donc, on apporte ou le verbe ou le deuxième verbe est. Donc, son groupe a dans ses premiers groupes. Il y a qu'un ou qui est dans le troisième groupe. Il y a qu'un ou qui est dans c'est un groupe verbal. Donc, ça répond chez nous qui est dans le futur. Marié fait l'action, c'est le groupe nominal sujet. Le jeune marié est le deuxième groupe nominal sujet. Donc, il y a, هو le deuxième. Et هذه يعني كيقصدوا هكا ماشي اللي كاينه في لا فرنسا. Attention, هنايا نخلطوا بين هنا كيقولوا لنا زعما كان عليهم يديروا دو بوان باش يحيدوا هذا اي لان هذا اي غادي il va se confondre مع هذا اي وغادي نعتقدوا بان le jeune marié اي هو le deuxième. Non, le deuxième هو هذا. Donc هذا اللي هذا هو le groupe nominal. وهنايا le groupe nominal sujet هو هذا. Porte une djellaba blanche, c'est le groupe verbal, est habillé d'un caftan, et le deuxième groupe verbal. D'abord, donc, le groupe nominal qui bda, le bda yachtel, le verbe, ou le verbe, ou le baqi, le verbe, ou le baqi, qui est un groupe verbal. Donc, ce que je retiens, la phrase est formée de deux groupes, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Le groupe nominal sujet peut être un nom ou remplacé par un pronom.
Donc, on passe à la page suivante pour appliquer ce je m'entraîne. Encadre le groupe nominal sujet. Le groupe nominal sujet, GNS, et je souligne le GV, c'est-à-dire le groupe verbal dans les phrases suivantes. Donc, encadre. Donc, on va encadrer le groupe nominal sujet. Donc, le verbe. Donc, on va souligner le groupe verbal. Le verbe, le point. Donc, le groupe nominal. Le verbe. Donc, le verbe jusqu'à le point. C'est le groupe verbal. Le groupe nominal sujet. Je complète les phrases par le groupe nominal sujet ou le groupe verbal qui convient. D'abord, il fait le groupe nominal sujet. Ou fait le groupe le groupe verbal. Donc, il y a porte de beau cafeton. Porte de beau cafeton. Donc, on va dire la femme. Les femmes. Les femmes, il y a pluriel. Donc, les femmes. Les femmes portent des, donc à ces groupes nominaux les bijoux et donc les bijoux et donc qu'est-ce qu'on va dire donc se vendent dans la médina. Donc, d'accord, c'est un groupe nominal verbal. Donc, on passe à la question suivante. Je relie le groupe nominal sujet au groupe verbal. Donc, on a les groupes nominaux, on a les groupes nominaux, on a les groupes verbaux. Donc, on a les femmes, les élèves, je. De manière, on a les deux sont pluriels. Il y a un هذا ENT وهذا SONT دابا هذا كيبان بأن الفيرب مصرف على بريمير بيرسون دي سينغولي دونك هذا إلي با غادي نرولييوه مع هذا هذا لو جروب فيربال ديال هذا يعني لو جروب نومينال ديال هذا هنا بقى لنا هادو بجوج غادي نشوفو لو سونس ديال الفراس مني دابا حيت عندنا بحال بحال غادي نشوفو لو سونس دونس سون اون لا كلاس هنا هي غلط en classe comme vous donc être là c'est fou donc les élèves donc on a les élèves madame qui est moi la classe donc on a les élèves sont en classe ou on a les femmes dansent donc la jeunesse qui est j'écris deux phrases et je sépare le groupe nominal sujet du groupe verbal radin j'ai juste les phrases m'indi donc on va dire la civilisation marocaine est très riche. Est très riche. Donc la deuxième phrase. Donc on va dire Rabat est une ville impériale. Impériale. Donc d'abord on va terminer. Donc on va séparer. On va séparer. Donc c'est le groupe. Et là on va séparer. C'est le groupe verbal ou c'est le groupe nominal sujet. Et là l'arabe ou le groupe nominal ou le baki c'est le groupe verbal. Et donc on passe à je consolide mes acquis. Je ponctue le texte suivant et je souligne le groupe nominal sujet et le groupe et j'encadre le groupe verbal. D'abord, on souligne le groupe nominal sujet. Les enfants se promènent dans la médina. Donc, on a la ponctuation, on a une virgule. هنا فيرغول حيت هذا لو الضمير كيعاود كي هذا كيعوض لينا لي زارتيزون دونك كيسكون فا دير دابا
D'abord, on va souligner le groupe nominal sujet. Donc, on a les enfants, c'est un groupe nominal sujet. Il. Il y a qui? Quand on a les artisans. Le groupe verbal. Le groupe verbal, on va encadrer le groupe verbal. Donc, le groupe verbal, tout ce qui précède, il y a le groupe verbal, c'est là. Ou il y a le groupe verbal, c'est là. Donc, le groupe verbal et le groupe nominal sujet. Voilà, c'est la fin de cette séance concernant la grammaire de l'unité didactique numéro 1 pour communiquer de français.